Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit vlog au Liban. Donc aujourd'hui, je vais vous faire visiter encore un petit peu plus le pays, donc un peu plus les routes et les montagnes. Parce que au programme, je vais aller avec la famille visiter deux caves à vin pour faire genre une dégustation de vin rouge, de vin blanc. Même si moi, je suis pas du tout un fan de vin, mais voilà, on va passer un moment en famille, ça va être bien cool. Donc je vais en profiter pour vous filmer un petit peu les routes, les endroits où on va. Le resto, parce qu'on va sûrement aller au resto à midi. Et donc voilà. Avant ça, je vais vous faire une bonne grosse séance de soulevé de terre et traction que je vais vous filmer. Comme ça, on commence la vidéo par la séance de muscu. Et ensuite, je vous fais kiffer avec le petit vlog du Liban. Malheureusement, aujourd'hui, le temps, donc là, on est le matin. Il est dégueulasse. Déjà hier, il pleuvait. Donc, vous voyez là-bas, c'est assez éclairci. Mais je sais pas si on voit, mais il pleut en fait. Il pleut seulement. Et là, ouais, ça fait depuis hier, là, et toute la nuit, il y a des orages, des éclairs, il fait salement moche. Et je sais pas pourquoi, d'habitude, il fait assez beau et bon. C'est pour ça que j'avais pas prévu ça, et que ma gorge et mon nez, là, je suis un peu pris, enrhumé. Mais bon, ça va quand même être joli, j'espère. J'espère juste qu'on va pas se prendre une tempête, parce que cette nuit, il y avait vraiment des vents de ouf. Malheureusement, là, on voit pas trop, mais je vous jure, c'était amusé. Donc bon, là nous ce qu'on va faire c'est en fait on va partir en famille, on a loué un petit minibus comme ça. Donc je vous filmerai après quand je serai dans le bus directement pour filmer la route. Là je vais aller à la salle, séance soulevé de terre, traction, on va essayer de faire des grosses paires, ça va être lourd. Donc voilà, séance d'eau, on se retrouve dans le minibus. Putain, force à moi et à toutes. Voilà les gars, donc comme prévu on se retrouve dans le bus, donc avec toute la mif. Donc je vais parler avec les écouteurs pour couper un petit peu le bruit extérieur et vous expliquer un peu le programme. Donc on va visiter deux ou trois caves à vin je crois pour tester le vin parce qu'ils aiment bien ça dans la famille.
Même si moi je suis pas du tout un fan de vin, mais bon. Donc normalement, vu que là il est seulement 9h du matin, on s'arrêtera à prendre un petit déj sur la route. Ça s'appelle des manouchés. Enfin, j'espère qu'on va s'arrêter, comme ça je peux vous filmer ça. Et c'est salement bon. Et donc ensuite il y aura une cave à vin pas trop en montagne. Et une ou deux autres, je crois, qui seront en montagne, donc à 1000 mètres d'altitude. Donc je pourrais vous filmer ça, ça va être sympa. Et en plus de ça, je vous filmerai quelques plans sur le trajet. Même si aujourd'hui il fait salement moche, comme je vous ai dit ce matin. Il a plu, genre vous voyez ce truc là. D'habitude il est toujours vide, et là il est rempli d'eau. Donc ça fait bizarre. Et donc là vous avez un premier aperçu des villes. Et voilà, je vous filme ce que je peux. Et enjoy. Et sinon moi je suis toujours en galère avec ma respiration, comme vous avez vu. Déjà l'année dernière quand j'étais venu ça m'avait fait ça. Et là ça me refait exactement pareil. Quand j'étais petit j'étais asthmatique, mais là je sais pas si c'est à cause de la pollution ou aucune idée, mais vous sentez que c'est la hesse. Mais bon. Donc là vous voyez bien ce que je vous disais dans l'autre vidéo, que le Liban c'est majoritairement des immeubles. Attendez, là comme par hasard non, mais il y a beaucoup d'immeubles endommagés par la guerre encore. Et beaucoup de trucs vachement nouveaux, vachement neufs. Donc il y a un peu un contraste dans le pays entre riches, pauvres. Et ça, moi, je trouve ça se voit de ouf, surtout quand on vient d'un pays comme la France. Les contrastes riches, pauvres, comme je sais pas, Brésil, Inde, des pays comme ça, arabes, c'est abusé. Voilà, par exemple, un putain de truc Mercedes, et derrière des immeubles avec des trous de balles encore dedans de la guerre. Mais voilà, ouais, ça fait le charme du pays. Et là, vous voyez typiquement la route commencer. Donc, on a la route principale sur laquelle on est. Et sur le bord de route, on a tous les magasins de vêtements. Là, c'est des banques et tous les trucs, tous les commerces en gros. Donc, à la route principale, et à droite et à gauche, t'as tous les commerces. Du coup, t'as juste à sortir, te garer et repartir. Et ça, je trouve que c'est assez typique au Liban, parce que en France, sinon, on n'a pas vraiment ça. Genre, une grande route avec tous les commerces à droite. Genre, il y a les McDo, les KFC. Dunkin' Donuts, il y a vraiment tout. Donc voilà. Ça, c'est aussi assez typique, je trouve, au niveau des routes. Ça, là, c'est peut-être inutile de vous le dire, mais c'est le supermarché du Liban qui a ouvert il n'y a pas tellement d'années en vrai. Donc c'est ça, là, le Spinez. Et c'est le supermarché. C'est l'équivalent, genre, de Cora, Auchan, Leclerc de chez nous. Et c'est vraiment le feu, il y a là les trucs dedans. Ok les gars, donc ça c'est toutes les pâtisseries libanaises. Je sais pas si vous connaissez du Moyen-Orient ou peu importe, ça ressemble toujours. Après il y a ça qui est assez connu en général. Voilà, tout ça c'est des baklava, les mamouls ça s'appelle. Et putain c'est vraiment trop bon cette merde. C'est abusé. Et moi là ce que je vais prendre du coup ça s'appelle des manouchés. Et c'est ça là, comme ça. C'est cuit dans un four, comme vous voyez là-bas. Et en gros, soit vous mettez juste du fromage, soit ça là-bas, c'est genre du zatar, c'est genre de l'huile d'olive avec des épices. Mais moi, je prends toujours fromage jambon, donc fromage jebné, et ça s'appelle des manouchés. Donc wahad, manouché, jebné, jambon, une manouché, fromage, jambon. Ensuite, tout ça là, c'est des espèces de... C'est pas des biscuits secs, c'est comme du pain, c'est comme des biscottes en gros. Et ça s'appelle des kak. Genre, ça c'est comme ça se prononce kak, et vu qu'il y a deux A, tu... Kak. Et en gros t'as plusieurs formes comme ça. Et je pourrais pas vous décrire le goût parce que c'est pas vraiment des biscottes, mais en vérité c'est salement bon, il y a plein de sortes. Donc vous voyez, là on est dans une typiquement une boulangerie typique libanaise. Et là donc c'est le pain libanais, comme vous connaissez tous. Et voilà. Ok les gars, ça c'est archi pas libanais, mais putain qu'est-ce que ça donne envie cette merde. Oh carrément, je pense que je vais en prendre un. Ça n'a rien à voir avec le Liban, mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais let's go, hein. Ça part sur un donut. Donc c'est ça les gars, là j'ai mis les jambons. Et en gros il la plie et il te la donne comme as. Putain c'est magnifique. Je vous jure les gars, c'est hardcore. Et moi je me suis pris ça en plus de ma manouchée, putain. Et le temps sa mère, c'est dégueulasse. Voilà. Le donut, ma manouchée. Et go dans le bus. Voilà les gars. Attendez. On a des sucres gras, tout ce lipide, putain ça va être exceptionnel. Mmh. Truc de manouché, à 2€ la manouché, et tu deviens riche man. Putain les gars,
cas, donc comme vous voyez, on est arrivé en montagne et c'est salement beau. Malheureusement, il fait toujours moche, mais putain, regardez ça. Les gars, c'est ouf. Ok les gars, donc on vient d'arriver au premier domaine de vin, donc assez haut en montagne. Bon, je vous ai déjà filmé, mais vous voyez, c'est vachement joli. Donc comme je l'ai dit, on va tester là quelques vins, goûter. Vu que je suis pas du tout un pro et que j'aime pas forcément ça, je vais rien vous filmer spécial. Parce que ça va quand même être un moment en famille. Du coup, voilà. Ça, c'est l'endroit. Là, on va rentrer là au fond. Et je vous dis donc à toutes. Hein. Ok les gars, on vient d'arriver au deuxième domaine. Donc c'est ce truc là derrière. Et regardez comme c'est frais avec la vue sur la mer. Donc voilà, on va visiter tout ça. Je vous montre juste un petit peu la vue. Vous voyez comme c'est stylé. Et putain, moi je kiffe là, ça vient avec la mer, les montagnes. Malheureusement, le temps il est dégueu. Mais bon, c'est suffisant pour vous montrer. Et donc voilà, on va aller au resto ensuite. Donc je vais vous filmer la bouffe, je pense. Donc voilà. Dernière fois la petite vue, là on va goûter encore des vins, mais putain j'aime vraiment pas le vin, c'est abusé. Et voilà, ensuite direction le resto, et je vous dis à toutes. Putain les gars, on a le resto juste pour nous, je comprends pas le délire. Bon, il fait NBA maintenant. Ils mettent pas des éclairs, je sais pas s'ils mettent en... Je pense ça paye 40%. Lève le pain. Non, on fait un... Attends, on va le faire. Oh, boum, ouais. Anyways, je vais laisser ça dans la vidéo. Tes mains sont trop moches. Angel. Tu as des mains de Yeti. Voilà. Voilà. Santé. C'est trop stylé. Dommage, il y a des gouttes sur la fenêtre, mais putain. Voilà les gars, de retour à l'appartement après une bonne longue journée en famille. Donc on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Là, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le petit tour vous aura plu. Donc je vous ai filmé ce que j'ai pu pour vous montrer un petit peu à comment c'est le Liban. Pas vraiment la vie au Liban, mais plutôt les paysages, la route, un petit peu la bouffe, etc. Après, c'est un moment en famille, donc c'est toujours délicat de tout filmer parce que voilà, faut quand même que je profite. Mais je pense que j'ai pu vous filmer pas mal de trucs. Vous pouvez avoir un aperçu un petit peu plus global de la vie au Liban. Donc voilà, sinon moi je suis un petit peu éclaté, donc j'ai le nez tout rouge, je suis un petit peu enrhumé, je suis pris au niveau de la gorge, donc avec le temps de merde, on était en montagne, il pleuvait, il y avait du vent, donc c'est pas génial. Donc en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le training vous aura plu, que la bouffe, le trajet, etc, que bah, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager, et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao la mif.